Ce samedi, le groupe de musique Compas Karimi, séparé depuis 2016, s'est retrouvé pour un concert unique à l'Accor Arena de Bercy à Paris. Pour l'occasion, le chanteur haïtien Mika Ben, de son vrai nom Michael Benjamin, a été invité sur scène. Mais après sa prestation, l'artiste de 41 ans a été victime d'une crise cardiaque. Malgré l'intervention des secours, son décès a été prononcé une heure plus tard. Le concert a été interrompu et la salle a été évacuée. Toute l'équipe de l'Accor Arena est terriblement affectée et adresse tout son soutien à sa famille et ses proches dans cette douloureuse épreuve, a-t-on pu lire sur le compte Twitter de la salle de spectacle. C'est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s'éteindre. Le pays et la jeunesse haïtienne ont perdu une belle âme, a pour sa part réagi Ariel Henry, le premier ministre haïtien, sur le réseau social. Vanessa Fanfan a perdu son autre moitié. Mika Ben était le père d'un petit Gabi, né d'une précédente union. Il a ensuite eu une fille prénommée Leia il y a un an et demi avec son épouse actuelle, Vanessa Fanfan. Il y a quelques semaines, le couple a annoncé attendre un autre bébé pour décembre. Pour Vanessa, le rêve a donc pris fin très brutalement. Peinant encore à réaliser ce qu'il s'est passé, elle s'est exprimée sur son compte Instagram pour demander à ce que l'on respecte son deuil. « Merci pour vos prières mais, s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Je ne suis pas du tout en état de parler. Je viens de perdre mon autre moitié et je n'ai plus les mots », a-t-elle écrit.